Pep Guardiola compare Erling Haaland et Léo Messi, les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Erling Haaland vs Messi et Ronaldo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur le fond de partie. Alors, Pep Guardiola compare Erling Haaland à Messi et Ronaldo. Déjà, Alain, c'est un top joueur, il marquait les buts, mais je trouve que dans le jeu, il a encore beaucoup de progrès à se faire dans le jeu. Dans le jeu, franchement, il a des lacunes. Il a des lacunes. Moi, je vais être très clair. S'il faut construire le jeu, moi, je préfère Alvarez et Julian Alvarez. Il décroche, il presse, il participe au jeu. Alain, c'est un buteur, c'est un finisseur à fond. C'est purement un buteur. Et la chance qu'il a, c'est qu'il le fait très bien. Il le fait très bien. Il marque des buts. Il est adroit devant le but. Vous avez vu le but qu'il a encore marqué là? Le ciseau là. C'est un but de classe mondiale. Hein? C'est un but de classe mondiale. A contrario de Messi. Messi est capable de dribbler 2-3 joueurs et de marquer. Ronaldo était capable aussi de dribbler les joueurs. À l'époque de Manchester United, de dribbler les joueurs et de marquer. Donc, je pense que la seule différence entre Alan et Messi, c'est que, comme Guardiola l'a dit, Messi est plus complet que Erling Haaland parce que Messi peut décrocher de très loin, il peut partir de très loin, dribbler 2-3 jeux, participer au jeu, donner des passes décisives, ce que Alan ne peut pas forcément faire. Après, Alan a 22 ans, peut-être qu'il peut progresser dans son jeu, mais pour l'instant, Alan ne le fait pas encore. Donc, je trouve que Alan a encore beaucoup beaucoup de choses à améliorer. Je trouve plutôt que Alan se rapproche un peu de Cristiano Ronaldo, les Real Madrid, la fin de l'ère Real Madrid. Vous savez que quand Ronaldo est arrivé, Ronaldo jouait sur un côté, il débordait, etc. Mais vers la fin, là, quand Zidane est arrivé, Zidane l'a repositionné avant-centre. Je trouve que Alan se rapproche plus de ce profil de Ronaldo, c'est-à-dire Ronaldo avant-centre, que le début de Ronaldo à Manchester United. Ronaldo à Manchester United et le début de Ronaldo au Real Madrid, je trouve que c'est plus proche des Kylian. Le Ronaldo de Manchester United et le début de Ronaldo du Real Madrid, je trouve que c'est plus proche des Kylian Mbappé. Mais le Ronaldo de la fin du Real, c'est plus proche de Erling Haaland, je trouve. Mais parmi tous ces joueurs, je trouve que Messi est plus complet. Il est vraiment plus complet parce qu'il est capable de faire des différences quasiment lui à tout seul. Quasiment tout seul, le gars. Donc, voilà ce que je voulais partager. Je vous demande de retourner en commentaire. Est-ce que tu penses que Alan est meilleur que Léo Messi? Ou bien, si elle fait, partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.